Et bonjour tout le monde, c'est Fredo, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 15. Alors, nous allons revenir sur la quête principale, un voyage vers la guerre. Donc là, on va faire le feu et décombres et vivre mortel. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on en était où là? Ah ouais, on était sur le bateau, c'est vrai. Ah, on va rejoindre la quête principale. Il nous faudrait un meilleur armement et une meilleure défense pour gagner. Mieux vaut en aller. Augmentez la vitesse. Il y a eu un petit bug. Rejoignons le lac. Notre objectif, il est là-bas. Donc l'épisode précédent, on s'était amusé à faire quelques batailles navales. Soit il fallait le faire pour essayer d'augmenter, enfin d'améliorer le bateau. Et on va en refaire d'autres sûrement, mais là on va faire la quête principale là parce que. Et normalement cet après-midi, enfin cet après-midi ou demain, on va reprendre les let's play sur Red Dead Redemption 2. On va continuer. Et dans la semaine prochaine, normalement, il y a Spyro. Ah, c'est trop bien fait quand même. Alors comme je vous avais dit l'autre fois, je vais essayer de... On n'a pas affaire à des Spartiates ou des Athéniens, ce sont des banquiers et des pirates. Ah, il y a trois bateaux là. Ouais, je vais essayer de brancher la Vermidia sur le PSVR. Les Athéniens, ils ont bloqué l'entrée de la baie. Détruire les trois navires athéniens. D'accord, bah on va les détruire. Ouais, je vais essayer de brancher le PSVR pour enregistrer Astrobot. J'aimerais bien faire les flèches enflammées, mais je sais pas. Allez, coupez en deux. Ça, c'est bon, ça. Le dernier, il est là-bas. Ils sont que du niveau 6, donc ça va. Archer, en position. Accrochez-vous. Allez. Ah mais j'avais réussi. Ah c'est bon, ça y est, j'ai réussi à les faire enflammer. Bim. On va aborder. On va se les faire. Allez, vas-y. Ouais. Beaucoup de pieds. J'ai vu qu'en dessous, il y avait L2. Il faudrait que je mette des compétences sur L2 aussi. Je ne suis pas penché encore. Allez.
J'adore mes découtés. Bim, dans l'eau, dans la flotte. Ah, j'ai loupé. Ça va, les coups de pied, ça remonte vite. Hop, on va récupérer. Il en manque un de navire. Hein. Ah mais il faut que je le coule peut-être. Celui-ci. Ah oui, c'est ça, voilà. Allez. Bon, il n'y a plus rien à récupérer. C'est parti. Ah oui, il est en train de couler. C'est trop bien fait. Alors, on est où là? Voyage vers la guerre, ça c'est ce qu'on doit faire. On est recherché. Ouais. Bon, on va aller là-bas. Il faudra que je regarde la prochaine fois, il va falloir que je regarde. Que je mette un point là où ça a coulé. Allez, le navire, et que j'y revienne à la nage, voir si je vois les pales. On doit avoir les pales normalement. Allez, on est parti pour la quête. On va découvrir une nouvelle map. Allez, c'est parti. On va voir le loup. Le loup ne fait pas de prisonnier. C'est lui le loup. Ah non, c'est pas lui. C'est lui. Ça doit être lui, ouais. Quand même. Voyez, comme ce chien athénien de Périclès vous craint. Il reste terré dans son Parthénon, entouré de dramaturges et de sophistes. Il n'ose pas vous affronter avec honneur sur le champ de bataille. Il connaît votre force. Il sait que les jours d'Athènes en Mégaris sont comptés. Et il sait que le tour d'Athènes approche. Ouh. Elle a aperçu, ça y est. Toi. Tu as vaincu le blocus athénien? Ils étaient sur ma route. Sparte te remercie. Tiké t'a béni, jeune fille. Tu es arrivé à temps pour voir mon père remporter une grande victoire. Ah, son père? C'est bizarre. Tu es de mon frère, les enfants des dieux sont morts. On va pas lui dire que c'est sa fille, on va voir ça. Tu ne peux pas être son fils. On m'a dit que ses enfants étaient morts à Sparte il y a longtemps. Il m'a recueilli et adopté, après la perte de sa famille naturelle. Je l'honore chaque jour, de toute mon âme. Parfois la vie réserve des surprises. Et l'histoire emprunte des chemins étranges. Au-delà de la volonté des hommes. Parle comme si tu y avais assisté. Peut-être bien.
Sornette, tu es trop jeune pour avoir assisté à ce genre de choses. Et oublions le passé, parlons de l'avenir. Que vient faire une mercenaire dans une guerre pour laquelle on ne l'a pas engagée? Dis-moi la véritable raison de ta présence ici. Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis là pour offrir mon épée. Aider Sparte est un honneur. Je suis venu offrir mon épée au loup de Sparte. Ah, il veut le rencontrer. Je tiens à servir mon père. Je t'invite à me rejoindre. Tu me prêteras main forte. La flotte a été détruite, mais Mégaris demeure entre les mains d'Athènes. Avant de livrer bataille à l'ennemi et de le renvoyer chez lui, nous devons l'affaiblir. Quoi, faire appel à un mercenaire? Ouais, bon, on va... Allez. Pourquoi as-tu besoin d'une mercenaire pour une telle mission? Tu n'as pas l'air de manquer de soldats. Ce n'est pas une question de troupes. Les habitants sont nos alliés. Nous ne voulons pas engager de soldats sans être certains de remporter la victoire. Mes éclaireurs sont à la recherche de cibles majeures à attaquer. Je veux y prendre part. Ensemble, nous apporterons la victoire à Sparte. Tu n'es pas comme les autres Mystios, n'est-ce pas? Tu es exactement ce qu'il nous faut pour nous débarrasser de ce mercenaire athénien. Si nous parvenons à attirer le chef athénien et à le tuer, nous écraserons ses forces sur le champ de bataille et les renverrons à Athènes. Détruisons son ravitaillement, volons son trésor de guerre, éliminons ses meilleures troupes, et il sera vulnérable. Prends ceci, et montre-le à mes éclaireurs. Si tu les vois sur le champ de bataille, demande-leur ce qu'ils ont trouvé. Ils risquent aussi d'avoir besoin de tes talents. Je sais ce que je dois faire, allez, on va. Je crois savoir ce que je dois faire. Rappelle-toi que chaque soldat athénien que tu tueras nous rapprochera de la victoire. Et une fois que j'aurai mis les Athéniens à genoux pour Sparte, je rencontrerai Nikolaos, où je m'occuperai de toi. Bien. Envoie tous ces chiens et sophistes d'Athènes au royaume d'Hadès. Triomphe, Mystios, et le loup veillera personnellement à ta récompense. Hein. Comme ça. Alors, conquête de nations. Pour rencontrer votre père, aider Centaure. Bon, ça, j'ai bien compris qu'il fallait que je les aide. D'accord, donc il faut que je fasse descendre la barre. Ok, donc il faut que j'aille tuer des gens. Quête terminée, le voyage vers la guerre. Si tu veux approcher du loup, je vais devoir aider Centaure à vaincre les Athéniens. Ne perdons pas de temps. Je récupère ce qu'il y a à récupérer. Hop. Il reste quoi encore là? J'ai entendu sonner là. Mégaris aux frontières de la guerre. C'est la nouvelle région qu'on a découvert, Mégaris. Ouais. Hop, je me suis trompé de touche. Enfin, la charogne. Il y a eu un petit bug, excusez-moi pour le petit bug qu'il y a eu. Alors. Donc ça. Là, le forgeron. On va aller voir le forgeron. Ouais, non, je vais. Ah, mais je peux les. Écarte-toi. Ouais, ah, c'est beau, écarte-toi, dis donc, et. On verra après. Et je peux le recruter. Hein. C'est vrai que j'y pense jamais à le faire. Faudrait que je le fasse parce que ça peut me servir après, quoi.
Forgeron. Allez. Bon, je vais vous passer. Je peux pour toi. Si je peux. Je vous ai passé les améliorations d'armes, pardon. Parce que ça va être un peu long pour vous. Alors. Hop, feu et décombre, le trésor d'Athénée. Bon, allez faire feu et décombre normalement. Ouais. Hop. Ouais, on va aller faire ça. Le tout est revêtement d'Athénée. Ouais. Bon, en fait, on va faire une petite partie de feu et décombre. Je sais pas si on va le faire en entier, ça en fait. On va voir. J'aurai sûrement pas le temps parce qu'il y en a un bon paquet. Ça va être pour la prochaine vidéo feu et décombre, je pense. Bon, on va aller voir. Mais je pense que ça va être trop long. Quelqu'un. C'est peut-être un éclaireur de Stentor. Il a l'air d'avoir des ennuis. On va aller voir. On va aller voir ce qu'il dit, lui. Ouais, on va aller faire sa quête à lui et puis on va s'arrêter là après. Ça dépend si elle est longue ou pas. On va voir. Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi ça te regarde, Mystios? Tu sais quelque chose sur tout ça? Sois heureux que je sois passé par là. Je suis dans ton camp. Je suis une professionnelle. Et une amie. Ah oui? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'avais fait ça, j'aurais eu au moins le bon sens de cacher les preuves. Mais oui. C'est vrai. Il faut être idiot pour faire une chose pareille. Laisser des traces comme ça, un peu partout. Ou alors, il s'agit d'un message. C'est Stentor qui m'envoie. Pour aider ceux qui en ont besoin. Stentor t'a envoyé? Sparte ne contrôle pas tout Mégaris. Pas encore. Il y a des lieux que je peux rejoindre plus facilement qu'à Spartiate. Les Athéniens se sont montrés plus résistants que prévu. Mais ils ne peuvent contre rien... Contre Sparte, oui. Je connais le refrain. Mais en attendant ce jour de gloire, il faut découvrir ce qui s'est passé ici. Tu en as une petite idée? Pas encore, mais ça va venir. Allez, on va l'enquêter. Je devrais m'approcher pour savoir ce qui est arrivé ici. Bon, on va faire la vivre mortelle et feu et décombre, on le fera après. Dans la prochaine vidéo, je pense. Donc, en l'occurrence, si vous voyez feu et décombre sur le titre, c'est que je me suis planté. On va faire vivre mortel d'abord. Ce sont des soldats de métier qui ont été massacrés. Ça m'étonnerait que ce soit l'œuvre de bandits. La cargaison a disparu. Ils ne peuvent pas être loin. Ils ont laissé les chariots. Apparemment, ils sont allés par là, dans la forêt. Ah-ha. Il n'y a plus rien à trouver. Je devrais aller faire mon rapport. Il va faire ton rapport, on va. Alors, c'était des Athéniens? J'ai trouvé des fragments d'un cristal vert. Des bandits, alors. La guerre les rend insolents. Et ces montagnes ne manquent pas de grottes. Voilà ce que dit mon esthée, on va faire. Je sais pas. Ouais, non. Si c'était des Athéniens, ils auraient utilisé les chariots pour le transport. Et des bandits n'auraient eu aucune chance face à des soldats. Autant lui dire ce qu'on sait. Alors, à ton avis? Je me demande. Les coupables sont entrés dans la forêt. Autant commencer par chercher là-bas. La cible est pas. Bon, allez, on va faire ça et on va se quitter là. Les voilà. Hop. C'est quoi ce truc?
trésor, il y a plein de trucs. Mais ça, je vais le découvrir au fur et à mesure, je pense. Ça, c'est là-bas, ouais, d'accord. Allez. On y va, on y va. Je vais découvrir le vieux. On va faire le trésor, je pense. C'est juste en dessous. Quelqu'un cuisine près d'ici. Tombe de Terry, on a découvert. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Il n'a pas l'air d'avoir de garde. Bizarre ça. Voilà. Qui c'est qui a fait ça? Ah d'accord. C'est une fête privée où tout le monde est invité. Comment? Qu'est-ce que tu fais là? S'il te plaît, va-t'en. Vous n'avez pas l'air de meurtrier? Quelle erreur ont commise les sorcières? Quoi? Non, attends! S'il te plaît, tu ne comprends pas! Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Tout ça me paraît très clair. Ah, c'est eux. Pitié! Laisse-moi plaider notre cause! On va voir ce qu'elle dit. Tu ferais mieux de rendre les vivres. Et de me dire pourquoi je ne dois pas vous tuer. Je t'en prie. Je vais te dire ce que tu veux savoir. Bon, allez, on s'en fout. Oh. Vous n'êtes qu'une minable bande de voleurs. Par les dieux, non! Nous vivons à Megara. Cette guerre nous a déjà valu tant de malheurs. Je t'en prie, accorde-nous ta pitié. Comme vous avez eu pitié des soldats spartiates. J'ai... On a seulement pris des vivres. C'est Hyrcanos qui nous a donné la permission de les prendre. Il a dit qu'il nous faciliterait les choses. Hyrcanos? Oui, le mercenaire. Il a promis qu'il nous aiderait, qu'il nous fournirait des vivres, et que les Athéniens ne laisseraient pas le peuple mourir de faim. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Ça suffit. Je ne suis pas là pour écouter des discours. Il est trop tard pour discuter. Je veux savoir qui est derrière ce crime contre Sparte. Ouais. Écartez-vous, et je vous laisserai la vie. Je vais rapporter ces vivres aux Spartiates. Pour ça, il faudra nous passer sur le corps. Ne sois pas stupide. Prenez quelques vivres, de quoi tenir un moment. Je dirai que je vous ai tué et je rapporterai le reste. Ça leur suffira. Et nos familles? Que vont-elles manger? Si vous mourrez, vos familles vont mourir aussi. Alors acceptez mon offre et arrêtez de voler. La prochaine fois, vous aurez affaire à quelqu'un de moins gentil. D'accord, Mystios. Merci. Ouais. Allez, prenez ce que vous pouvez et partons. Bah, je suis bien gentil. Allez, rendre compte à Dolios. Il y a quelque chose là-bas au fond. On va aller voir ce qu'il y a. On va aller visiter, hein. Il n'y a rien d'autre. Ouais. Ah, ça c'est bon ça, pierre précieuse. Bon allez. Je reviens de le voir plus tard, on se casse. On se casse. Les dieux soient loués, ils n'ont pas cherché à se battre. Je n'avais pas très envie de tuer des gens affamés. Oh.
piller, hein, tant qu'on y est. Tablette ancienne, ouais. On cherche ça. Hop là, elle est où? Ah bah t'es, il est là, lui. Allez, rends tes comptes, on va voir ce qu'il va nous dire. Est-ce que tu as trouvé les coupables? J'ai trouvé tes vivres. Et un groupe d'habitants affamés. Et tes hommes les avaient volés. Ces gens mouraient de faim. Nous avions besoin de ces vivres pour les troupes et pour chasser les Athéniens de Mégara. Des habitants affamés ne sont pas un problème. Mais il y a autre chose. Tu as entendu parler d'un mercenaire du nom d'Hyrcanos? Hyrcanos? Oui, à en croire les rumeurs, il travaille pour les Athéniens. Eh bien, c'est lui le coupable. Ah ça, les mercenaires sont des gens tenaces. Tu as bien agi, mais si tu tiens réellement à aider Sparte, j'ai une tâche à te confier. Qu'est-ce que tu as en tête? Traque-le. Montre-lui que Sparte ne laissera aucun mercenaire contrecarrer ses projets. Si c'est ce que tu penses des mercenaires, pourquoi m'envoyer? Pardon, mais ce Hyrcanos est une véritable épine dans notre pied. Il menace tous les Spartiates qui sont ici. Tu veux bien nous aider? Bah, j'ai pas trop le choix, hein. Bon, allez, je vais le faire. Allez, pas pour l'instant? Non, allez, je vais le faire. Allez, c'est parti. Je vais m'en occuper. S'il est si gênant, j'imagine que la récompense est de taille. Bien sûr. Pense à tout ce qu'il aura sur lui, à toutes les drachmes qu'il a reçues d'Athènes pour nous nuire. Tu dois avoir raison. D'après toi, par où dois-je commencer? Il peut être n'importe où, mais je dirais près des Athéniens. Nous avons envoyé plusieurs patrouilles, mais elles ne sont pas rentrées, et je n'ai plus d'hommes à envoyer pour l'instant. Parfois, il vaut mieux envoyer une femme. Bon, ben voilà. Donc on a fait vivre mortel, et feu et décombre, on le fera la prochaine fois. Parce que je sais pas si je vais pouvoir la finir en entière. Après, elle va être trop longue la vidéo. Donc, Tragicanos, voilà la nouvelle quête. Ok. Bon, ben voilà. Bon, ben j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez au pouce bleu et à vous abonner. Et la prochaine fois, je pense qu'on va faire Red Dead Redemption 2. Et puis après, on va continuer la quête. La quête d'Assassin's Creed. Odyssée. Donc merci beaucoup, à bientôt et allez, au revoir à tout le monde, à bientôt.